Mais si la blanche société, nouvelles envies de partager avec vous même là, c'est un gros coup de poing allié pour un sénateur Guy Philippe. Mesdames, mademoiselles et messieurs, jeudi, c'est une date que Guy Philippe a jamais oublié. Après l'installation du conseil présidentiel, la fin fête dans le pays d'Haïti, bagaille ça qui te dérange en sénateur à toute cette équipe. Malgré ça, sénateur a été retrouvé que un gros mouvement pour le fête. Tenez bien, nouvelle arrivée dans les oreilles Guy Philippe jeudi, bagaille ça n'a pas arrêté bien du tout. Mais faut connaître qu'il y a plusieurs petits problèmes. Moi, je vais tout détailler, je vais expliquer ce qui a passé dans la vie ancien sénateur Guy Philippe dans le moment où on a parlé là. Dans le moment ça n'a pas gagné question président Guy Philippe encore. Je dis là, monsieur CPO, il a finalement fait tout le monde saisir. Moi-même, les informations arrivées devant, m'a posé tête mes questions. Est-ce que monsieur ça au sérieux? Les babatons, c'est Guy Philippe qui vous prend pour voir. Les babatons, c'est Guy Philippe qui vous vient diriger payant pour retirer payant dans ça qu'il y a là. Et bien, c'est bon, 10 heures, m'a pas prendre monsieur dans la villa d'accueil, débarquer pour aller faire élection pour élire un nègre dans la tête payant. Dans le moment même, n'a pas parlé à mesdames, mademoiselles et messieurs, pays d'Haïti, il y a un collège présidentiel qui a mené, mais il y a un président. Président Zaha, il y a le ton, Edgar Leblanc. Edgar Leblanc, c'est tout monsieur dans le collège présidentiel là qui décide de choisir. Et pourtant, ancien sénateur Guy Philippe lui-même, il tape donc un peuple haïtien levé, campé, il tape en pile mouvement fait pour être capable d'empêcher monsieur CP Sao installer et même empêcher monsieur Sao arriver mettre un président, voir pour monsieur d'arriver mettre un premier ministre. Histoire ça, il est pratiquement pral écrit dans le cahier monsieur Guy Philippe comme une histoire terrible. Est-ce que dans le moment où on parle à la ou capable de parler de président Guy Philippe encore? Est-ce qu'on peut parler de Guy Philippe qui a résolu le problème? Est-ce qu'on peut parler de Guy Philippe puisque révolution, mesdames, mademoiselles et messieurs, messieurs dans le conseil collège présidentiel là, ils fait le bref farine. Mais ça qui est terrible, c'est l'on a gardé Figi Moïse Jean-Charles Capri, monsieur Anna Mouchoir. C'est l'on a gardé Figi Moïse Jean-Charles qui sentit son victoire terrible. Qu'elle prend sous monsieur Guy Philippe, Claude Joseph, monsieur ça obtient déjà à joindre Guy Philippe, monsieur ça obtient déjà à rencontrer Guy Philippe. Imaginons, pour qu'il y a là, monsieur Antonio, il y a crié dans son sénateur Guy Philippe. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vais vous quitter autant de drops, je vais venir avec trois audios ou trois vidéos pour là, je vais quitter autant de nouveaux tons, mes frères et sœurs amis qui sont présidents, je vais quitter autant de l'autre voleur pour vous, Jean là. Deuxième mafia au bail pour Claude Joseph là. Donc ancien sénateur lui-même, m'a petit autant de l'enfer parce que réaction ça est bon réaction petit. On va le saisir tendez, mais causer. Conseiller Funel Joseph, président du Conseil électoral, qui devait organiser les élections pour la présidence du Conseil de ce matin. Madame Régine Abraham, assistant du président du Conseil. Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, messieurs, mesdames, distingués invités à cette cérémonie de ce matin, la presse en général. Depuis 11 mars, avec médiation de la CARICOM, et avec la CARICOM, la communauté internationale, OK, accompagne les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé des affaires, des personnalités pour qu'on arrive à un consensus permettant de sortir de crise profonde qu'a marqué Payan depuis particulièrement l'assassinat du président de la République. Nous sommes en situation totale d'exception. Et depuis ce 11 mars, des discussions, des négociations, des concessions entre divers acteurs conduit à mettre en place ce conseil de transition et jeudi dernier, le conseil l'a prêté serment. À partir de cette prestation de serment, il était gagné d'abord pour choisir le président du conseil, ensuite pour lui lancer tout le processus, passant par invitation aux différents secteurs pour proposer et faire choix du premier ministre, mettre en place un gouvernement et engager les différentes décisions importantes qu'il doit prendre pour que nous arrivions à des élections transparentes, crédibles, non contestées, et qui permettent que le 7 février 2000, et qui permettent à partir de
réforme constitutionnelle et auto-entreprendre. Le 7 février 2026, conseil a fini mandat et fait une passation de manière à ce que nous engager définitivement dans une période de stabilité pour le pays et puis de relance de l'économie, de relance des activités totales à partir d'institutions de l'État et d'institutions de la société qui chita sur de nouvelles bases. Nous croyons le conseil là. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cohésion entre nous. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois à partir de discussions, de négociations et de choix faits pour de grandes décisions importantes qu'il y a pour prendre d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui fait souffrir tellement de gens, qui fait tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaissons souffrance toute victime, tout sac déplacé, toute jeune fille, femme qui subit acte de cadéjac, tout monde qui a caillou boulé, tout entrepreneur qui perdu entreprise. C'est responsabilité grande que conseil a gagné pour le mener en tête faite en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminé pour nous arriver en 21 mois respecter Modassa. Matin, nous prenons 2 heures de temps de retard avant que nous venions devant le public là pour faire cet exercice de discussion, de négociation, de concession qui a amené à, au lieu de un vote de choix par ou majorité, en d'un conseil là de ça. L'acceptation de cet exercice prouve que nous capables de discuter, négocier, faire concession et puis arriver à des résultats. C'est sous base ça seulement que nous, dans le conseil là, nous croyons que nous sommes capables de porter résultats et remplir à plein notre mission. Je remercie tous les membres du conseil, je remercie les organisations politiques, les organisations de la société civile, parties prenantes de la crise et des négociations qui ont amené à la formation de ce conseil. Et leur présence ici encourager nous. Et par-delà, à travers la presse, remercier tout peuple haïtien qui a des yeux braqués sur nous, qui attendent depuis longtemps et qui t'est même trouvé que nous t'es en retard, nous t'es dû aller plus vite. C'est normal que vous pressez parce que vous avez souffert. Nous pas aller si vite parce que nous voulons chaque pas de fait nous consolider et nous assurer que l'autre pas c'est un bon pas. Et c'est peut-être ça nous fait dans le cadre de discussion, de négociation, de concession et de consensus. Mesdames, messieurs, matin, c'est un pas définitif qui met entre nous dans le processus pour arriver à sortir de crise. Acteurs politiques qui mettaient Edgar Leblanc président, donc qui position pour et avis pour. Avant tout, il faut qu'on ait moins son grand maître politique. Nous le connaissons. Ça veut dire qui ça, c'est ça? Ça veut dire que nous comprenons pile bagaille et nous, mes pays, nous baillons. Et intérêt nation, priorité sur intérêt personnel nous. Comme on voulait pour moi là, ensemble avec l'autre acteur, et puis pays nous bloquer. Qui ça bloqué? Négociation, intérêt personnel. Et bien nous débarquer, nous dit, nous avons prêté ces candidats nous-mêmes nous, que nous gagnons. Gilles, ancien sénateur Gilles, c'était candidat pour nous. Mais nous avons payé en bloqué. Il n'y a pas de casse élection encore. Qui ça nous dit? Nous retirons candidat pour nous, nous choisissons l'autre monde, et nous faisons majorité avec elle. En même temps, nous négocions pour le premier ministre. Son façon pour nous si l'école carré ouvert parce que Timounio sorti pour perdre année l'école là, il pas possible pour Timounio perdre année l'école. Deuxièmement, citoyens haïtiens en danger en bas insécurité, faut nous chercher solution pour insécurité hein. Et pour toute sa fête, faut qu'on croise un coordonnateur dans le conseil là. Ensuite, les fins qui coordonnateur là, faut qu'on premier ministre, nous négocions premier ministre tout. Pour qui ça tout bagarre ça yo? C'est pour nous si na faire l'école là ouvert, résoudre problème insécurité hein. Résoudre problème fatra, diaspora pas qu'à voyager, avion pas à voler, pays bloqué, moun pas qu'à cycler dans pays. Monsieur certain, si pas ça, sont pas vers l'avant qui portent l'espoir pour les haïtiens. La communauté internationale tout, qui a un pile problème, yo sont pas à l'aise avec la situation ça. Monsieur certain, CARICOM content, les États-Unis content, Canada content, la France content.
toute communauté internationale est contente. La Chine est contente, la Russie est contente. Parce que nous prenons une décision pour nous favoriser les pays en sortie dans ce lieu-là, je dis. Pas de monde qui est content, pas de monde qui est espoir dans le pays. Mais, si j'ai symbolique ça, je veux dire un peu pour les pays. Les pays, je veux nous connaître. Quel que soit le sacrifice que nous avons fait pour nous retirer le pays dans ce lieu-là, je dis. Nous avons parlé avec tout le monde. Pendant le week-end, nous parlons avec les bourgeois. Je parle avec un pile ambassade, je parle avec un pile monde au niveau international, je parle avec parti politique. C'est ça qui va nous résultat ça. Eh bien, son bon pas et qu'on a nous le travail. Nous allons mettre nos travail pour nous voir comment nous allons retirer les pays dans la situation. Premier travail que nous allons faire. Est-ce que vous pensez de Brice Pélissé comme premier ministre? Oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez de lui? C'est un personnage extrêmement important dans le pays. Il est un ex-premier ministre. Il connaît l'État très bien, il sait diriger. C'est pourquoi on a identifié Fritz Wellizer comme une personne, extrêmement importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dépôt ou non défendre, bandit ou non bandit, ou c'est bandit. Ça veut dire c'est ça pour nous comprendre. Parce que moi-même, c'est prévention fait. Parce que qui ça n'est fait? Chaque côté de mon chef gang, il crée une autorité dans la zone, nan, et il fait mon zone nan, toujours à battre bravo pour lui. Et gon paquet l'autre monde qui a payé pour casser ya. Le cas de Tibois. Sous besoin vivre, pas parler Chris la mal dans Fontamara Tibois. Et kounya, conséquence là, monsieur a placé bureau dans Fontamara 29 que le mettait ti soldat qui a ramassé l'argent dans mes chauffeurs. Et monsieur exige pour chaque chauffeur paye $500 chaque samedi. Kounya, qui sa neg et iso yo fè neg ti la pliyo dans Martissant? Le fait que Chris la taxe ses chauffeurs $500 pour payer chaque samedi, qu'on y a nèg Matissa ou tout monté basio, t'as qu'aujourd'hui, nèg yo font ravage sur route là. Tout chauffeur qui passe, on te commence à demander 500 goud. Pour chaque coup passé, chaque voyage, 500 goud. Après ça, on monte le 1000 goud. Après ça, on dit non, puisque Chris la mandé 500, nous on a demandé $1000 chaque week-end pour nous traverser route là. Ça veut dire entre Chris là et base ti la plizo, ça on est yo pi gros même et de base. Ça veut dire chaque chauffeur doit payer $1500 haïtiens chaque week-end. Vous imaginez gen la vie? Est-ce que gen la vie dans pays ça? Les machines nan panne qu'on la branger. Comment la faire ranger panne caoutchouc dans route pas bon ça? Comment chauffeur a fait manger et famille parce que l'état démissionné, l'état irresponsable. Et wap saisi ou moun k'ap défend moun sa ou, même j'ai matin gon dame qui vient di nèg moun jeune fio c'est bon moun yo. Ça veut dire qui ça la société? Pays a complètement gangsterisé. Et m'ap dit tête moi pour combien de temps m'ap continuer à dénoncer gang dans pays a? Parce que gang yo pi plus chaque jour gang yo vin augmenter. Autant de fois m'a dénoncé gang, autant de fois gang a tombé, autant de fois qu'il a arrêté, c'est autant de fois gang a calé dans le pays. Et pendant la police a tenté corder, la justice a décordé lui-même. Est-ce que nous comprenons la société? Parce que l'homme te vin avec dossier Canaran, m'te dit attention, gon mauvais vent sous Canaran. Gan pile moun qui te dit, oh menti, pas gagné Canaran. Moi-même, m'pas moun fou. Eh bien, je dis en là, depuis sorti Canaran 2, 3, 4, 5, etc. Monté, Canaran 50, bandi acheté l'argent comptant. Est-ce que nous avons fait ça à la société? Qui le Canaran gen tout zam sa ou la dan? Qui le neg Canaran vin aussi puissant comme ça, côté même la police pas ka résister en face neg yo nan Canaran? Qui côté te Canaran? Qui le Canaran te gen tout qualité bandi sa ou la dan? Parce que l'État effacé. L'État n'a pas existé et ne pas jamais oublié nèg politique impliqué en pile dans ça n'a vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, trai moun sa on a regardé sur écran là, qui a passé dans la boue ça, parce que pas gen route, c'est grâce à nèg politique avec un petit frange dans le secteur privé. Ok, finalement, qui ça n'a fait? En, par exemple, qui c'est? Malmen investigation sous barrière qui a implanté dans Badelma. Parce que pour le boucané, monsieur barré toute zone ni. M'voyons qu'on goit d'être de l'eau sale sous agent Simoyo. Mais le malmené ti enquête moi. Moi apprendre que nan moment nèg yo t'a placé barrière nan 6 là. Tant de pays. Mais ba yo en pile. Pourquoi pour ça? On t'a dit ça hier. Gen deux chefs gang nan pays an qui c'est deux chefs gang privilégiés. Policier peu nèg sa yo, la presse
peur nèg sa yo. Ou ap tande journaliste ap cité non tout bandi sauf yo même. C'est barbecue pour le boucané et puis Chris là dans Tibois. Barbecue monsieur barré tout espace Badel ma côté que au 43 joine. Monsieur allait li volon caille qui gon seul façade que le rete là-dedans. Ça veut dire quel que soit jour rentré, c'est en face monsieur va venir parce que ça crivé monsieur vinn gon petit problème, monsieur pas tellement bonne santé et ça faut remarquer monsieur pas tellement présent à parler, j'en dis qu'on a parlé longtemps et parce que monsieur pas fin en forme. Pas oublier monsieur était blessé par balle. Depuis le monsieur prend balle là, ou a remarqué avant monsieur pas quand même poté zamlou. C'est quelques temps après elle t'a tenté faire effort pour tes zamlou. Mais chaque fois elle tire zamlou, d'après ça m'apprend dans base dans monsieur, monsieur Baïtissan, lycéen. Eh ben monsieur vit dans Tigras plus ou moins tranquille, lui seulement arrêté lui-même là comme si et diriger troupe là. Ghetto a vinn fragile, nèg yo élimino pour n'importe petit détail. Eh ben ça qui passé c'est que koto wè barbecue yé là, monsieur a contrôlé zone. Mais gen ti malaise tout entre nèg yo temps en temps. Par exemple, Charlet actuellement là t'assemblé monsieur Pato qui encore parce que il t'a gen ti malaise avec deuxième chef là. T'assemblé au plus vaut et monsieur sous zone Saint-Martin parce qu'on est l'autre dans mien pas là. Gen pas pile petit détail que ma vinn sou yo. Cependant, le malmené investigation pour me connait à qui facilité pour nèg barbecue yo aller pour yo ranger justement pour yo monter en barrière tant des pays tant de la société pour nèg yo joindre temps pour yo monter en barrière avec facilité. Est-ce que nous connaît tant décembre di nous, est-ce que nous connaît jou nèg yo pral soude barrière là gon patrouille policière qui vini. Bon me répéter ça me joine même dans base, bon me répéter ça me joine. Si monsieur là, monsieur a dit ça qui passe, bon me répéter ça me joindre dans base là même. Tendez ou pays a. Là nèg yo mandé pour qui est n'a placé barrière ça parce que nèg qui vient placer barrière yo, nèg ça ou pas gen zam sou yo. Mais ou konnen, nèg qui gen zam yo rete aux alentours yo même. Mais nèg qui vient placer barrière yo, yo en civil yo même. Et puis gon patrouille la police qui rive sou nèg yo qui mandé monsieur qui est-ce qui voyait une place barrière ça? Et yo dit chef là à son ami qui dit n'a barrière zone non. Et donc pour l'autre pour qu'on est pour l'autre nèg pas rentré. Vous comprenez? Donc n'a barrière zone. Là on demande monsieur qui zami? Monsieur dit nèg qui voyait au barrière zone non. Est-ce que nous songe un gros partenaire qu'on joue avec Jessifra? Parce que gros patnet qu'on joue à Jessifra. Là, yo dit c'est monsieur de voye yo pour placer barrière. C'est ça, nèg yo dit. Et puis, qu'on y a les policiers yo relé. Tande ou pays. Policiers yo pas intervenu, non? Yo quitté nèg yo ap travail, mais yo relé supérieur yo nan base pour dire que, mais yon baye ka fait là, mais nous yon nèg sa ou vina yon barrière pour yo placer sou out là. Chéri les nason, rele kon bagay ou même. Rele kon bagay nan mo, un ti bagay nan mo. C'est ça nèg qui vinn placer barrière ou di. Ah moi mes fanatiques, j'ai avisé. Tendez oui, le patrouille policière l'arrivé sous nèg yo. D'après information moi joine, on patrouille si bon nèg si mori. Et puis là on joine 4 nèg qui a placé barrière, qui a soudé barrière. Pas placé non, nèg yo a soudé barrière. Et puis policier ont dit que monsieur, pour qui ça barrière ça? Mais 4 nèg yo pa gen rien sou yo pa gen zam, sauf que y a soudé barrière là. Les policiers ont mandé nèg yo, monsieur, pour qui ça barrière ça? Nèg yo répond comme ça. C'est gros nason qui mandé pour nous placer barrière. Nèg yo dit c'est gros nason qui mandé au placer barrière. Et puis policiers autant de oui. Nèg yo relé base. Les ont relé base, yo dit que mais sou ki lod nèg yo vinn place en barrière et puis m'apprenne commissaire a relé DCPA pour le dire DCPA c'est gros nason qui baille l'ordre pour placer barrière dans six là. Moi même c'est information m'a bousqué pour pays d'après ça moi joine comme information
DCPA Dieu Gebin. Dinèg yo entre dans base, dinèg yo entre dans base. Mais ba yo pile oui. Ba yo pas piti. Parce que le policier ou kounya ta envie réagir mais yo dit non. Le fait que c'est une institution hiérarchisée, yo contacté commissaire qui sous tête yo. Le commissaire a contacté DCPA. DCPA dit nèg yo rentre dans base. Ta semblé gros nason son gros taulier. Nous pas connait. Nous pas connait. Ta semblé gros nason son m'ba m'ba bon saisi. M'saisi oui. Et pendant bay barrière parce que on m'a mené anti enquête moi. Parce que pour me connait est-ce que tout policier dans gang qui fait yo accepte un désordre comme ça? Et là ça m'tendé c'est gros nason qui bay placer barrière. Et puis là on relé DCPA. DCPA dit qu'il rentre dans base monsieur. Il dit qu'il rentre dans base ça pour qu'au jamais rien. Pour montrer dans qui niveau Haïti plongé. Et m'a continuer mener investigation sous baïza. Est-ce que nous songe le l'image Temouria ce policier Simosa que nèg yo té assassiné dans deux qui badel Marsis. Nous songe baïza. Et puis t'es un groupe Simo qui t'a décidé attaquer barbecue. Yo rentré dans fief monsieur. Yo crasé un paquet de bagaille monsieur, yo boulé etc. Saccagé barbecue. T'es gen plusieurs machines qui campaient, machine barbecue, machine tout neuf, machine avec plaque service de l'état etc. Machine Juma tout temps là commission. Là yo boulé tout. Tendez oui ça la mandier. M'a montré dans qui niveau pays aille. Est-ce que nous connaît le Simo fin prend en dan ka barbecue nèg yo ale ou met ton base Simo en dan a di yo tout implanté base yo nan ka barbecue a même et m'te suggéré que nèg yo te fait ça DCPA relé en personne pour le faire agent Simo quitter ka barbecue a ça pour que j'en main et m'a enquêté sur DCPA ça jusqu'à présent pour me connaître qui ça ba là tant de pays a DCPA en personne relé Monsieur Simoyo, yo mande nèg yo kite kay barbecue dans l'immédiat. Et m'dou sa poko rien. Ou songe depuis ki le bay sa passe? Est-ce que nous konnen m'sezi pired et son gode de l'eau m'pran? Bon pou anti de l'eau. Gen parol son anti de l'eau pou pran. Non seulement DCPA, directeur central de la police administrative, rele Simoyo pou kite baz la kote yote kay barbecue. Hein? Jusqu'à présent ma palaven la d'après information moins joine au niveau de la police gen nan policier kap monte descend nan inspection générale pour dérespectant ça la société ba yo pa piti et c'est ça te fait barbecue monsieur à l'aise comme ça dans pays parce que monsieur quoi boss li pa jambe ba l'ordre pour river sous livrer c'est pas ba blague kap passer là non est-ce que nous connaît d'après information gen gen encore là qui est en formation. Ta gen pile pression qu'a exercé, oui. Bah yon pile. Mwen gen ba m pa ka di sou la place publique.